Passion Tuning 974. Nouvelle édition du BBS International. Et pour ce faire, Stan, bonjour à mes côtés pour nous en parler. Alors, ça se passe comment? Alors, le BBS, ça s'est commencé hier. Donc, hier avec les qualifications B-Boy France moins de 14 ans, B-Boy France pour les grands. Il y avait le 8-8 Kids moins de 16 ans. Il y avait tous les kids de la Réunion qui étaient présents, que ce soit Big Girl et B-Boy. Et après, on a terminé par le Big Girl International, une internationale qui danse avec une réunionnaise. Donc, okay, voilà, c'est le nouveau concept. On va dire que c'est un événement qui est reconnu du côté de la métropole, c'est cela? On va dire que internationalement, oui, c'est vrai que c'est un événement qui regroupe pas mal d'artistes, pas mal de groupes internationaux, et dont les Réunionnais qui participent justement dans la poule des internationaux, et le concept des Big Girl International qui dansent en duo avec les Réunionnaises. C'est la deuxième fois qu'on accueille ce type d'événement? Voilà, c'est la deuxième édition. Donc l'année dernière, avec la victoire des Américains, Skill Methods, ils ne sont pas venus cette année parce qu'en fait, ils sont dans le film Battle of the Year qui sort bientôt. Et le truc qui se passe, c'est qu'ils ne pouvaient pas être là parce qu'ils sont en promotion. Mm-hmm. Donc voilà. Et là, c'est qui est un là, petit peu année, au devant de la scène? Au devant de la scène, je dirais que c'est un nouveau concept de Big Girl, c'est une nouvelle troupe de Big Girl, les meilleurs du moment. Cette année, il y a deux parents qu'on a fait venir de métropole et des États-Unis de Seattle. Donc le petit Jalen qui fait de la publicité partout, qui est sur les Windows, qui est beaucoup reconnu dans médiatiquement. Et puis le petit français qui vient de Paris, chasseur de primes, le petit Hud. Donc ils sont venus avec leurs parents pour faire justement une petite connexion pour aujourd'hui avec le 4x4 international, avec deux Réunionnais, dont Jack et Melvin Flipto qui seront dans le 4x4 dans la poule des grands. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire qu'il y aura une troisième édition l'année prochaine? Je pense que ça va suivre son cours. Après, c'est vrai qu'au point de vue partenaire, on remercie aussi, je peux remercier directement la mairie de Saint-Pierre, la région Réunion, l'IRT, NJ Coiffure. On a aussi Autour du Feu, on a Mamzelle Pizza, on a Lord City. Bon, tout ce qui est bouffe, tout ce qui est... voilà, il y a Canal Street, il y a Airstyle aussi, justement, qui est partenaire pour le Jamel Comedy Club, parce que maintenant, il y a le Jamel Dance Comedy Club. Et le petit qui gagne là, juste après, là, qui va gagner entre Melvin et Matisse. Il gagnera sa place pour aller représenter la Réunion au championnat du monde à Shell, et le lendemain pour le Jamel Dance Comedy Club avec monsieur Jamel Debbouze qui est partenaire aussi de l'événement. Ça c'était la surprise que voilà, que là je vous en parle, que les petits ne savent pas en fait. Bien sûr, au nombre de combien tous ces internationaux sur l'île? Cette semaine il y en a eu 27, dont 3 Réunionnais qui sont en métropole, dont Gary, Jérôme et Brice, qui sont originaires de Saint-Pierre, Le Port et Saint-Denis. Donc ils vont danser pour le 4x4 aussi. Il faut pas négliger les Réunionnais qui sont en métropole et on fait venir que les internationaux. Il faut aussi penser qu'il y a des Réunionnais là-bas et qu'on fait venir une équipe réunionnaise qui tous les ans revient en vacances mais qui carbure. Voilà. Le niveau des Réunionnais n'est pas en reste quand on les compare à celui de l'extérieur? Le level réunionnais, il a un bon niveau. Après, ce qu'on a constaté, c'est vrai qu'au point de vue petit, il y a énormément de level. C'est vraiment ce niveau réunionnais en petit, il a un niveau international. Puisque déjà, on l'a vu hier en 8-8 petit, ça c'est jamais vu en fait à l'extérieur. C'est vraiment dans chaque pays, il y a peut-être 3-4 petits qui se démarquent, mais c'est vrai qu'ici il y en a énormément, d'où on fait un 8-8 parce que d'habitude les 8-8 c'est pour les grands. Là on fait un 8-8 petit, dont c'est Brigands qui ont gagné contre Force of Nature de notre groupe, donc en finale hier. Et le tout qui se passe, c'est que le niveau réunionnais il monte, il progresse. Après, de toute façon il y a internet, on est obligé de progresser pour justement continuer à carburer. Et tu voyages beaucoup justement, tu pars voir un petit peu ce qu'il fait à l'extérieur? Voilà, moi j'essaye de développer les styles, regarder c'est quoi la nouvelle tendance, regarder comment ça se passe, ramener quelque chose pour les petits, surtout pour la nouvelle génération. Hormis les Américains, on a d'autres pays. Alors, Bulgarie, Belgique, Espagne, il y a le Japon, il y a l'Australie. Voilà quoi, c'est assez diversifié. On accueille donc la trésorière du club Génération 430. Présidente par intérim qui remplace Yann Martin. Voilà. Voilà, ça n'a pas été trop difficile, tout se passe bien pour cette nouvelle édition du BBS. On espère, c'est pas encore fini. On a essayé mm-hmm. de faire au mieux, après bon, on verra les retombées. Ok, super. Donc tous les deux avec le club Génération 430. C'est vrai que côté touristique, il y a un potentiel quand même, votre événement. Hein, bah, ça ramène beaucoup de pays, ça ramène plein de gens. En plus, ça tombait dans la période du Grand Raid, donc c'est vrai qu'il y en a eu énormément. Mm-hmm. Super, bah, merci beaucoup pour ces quelques mots. Et merci, bonne continuation. Casse pas la tête. Et bonne continuation au club Génération 430, hein, qui fait un gros travail, on va dire, dans votre activité, dans votre domaine sur l'île. On essaye. Casse pas la tête. Merci.
côté invité. Bonjour Malika. Bonjour. Bonjour Abdel. Ça va bien ? Oui, ça va bien, merci beaucoup. Super, ça se passe comment, l'île de la Réunion ? Bah, nous, on est super heureux d'être là. On est super heureux aussi de partager tout ça avec les jeunes d'ici. Et voilà, non seulement vous avez une île magnifique, mais aussi une manière de nous accueillir qui est super chaleureuse. Ça, c'est typique de chez nous, la Réunion. Hein. Donc voilà, c'est pas comme ça partout, donc c'est bien de le souligner. Super, super. Et alors, le BBS, ça se passe comment ? Le niveau ? Le battle ? Bah, le battle se passe super bien, il y a beaucoup de participants, aussi beaucoup de petits, donc beaucoup de jeunes espoirs à la Réunion. Et en même temps, vous allez nous envoyer en France les meilleurs b-boys, donc voilà, qui pourront échanger aussi en métropole. Voilà. C'est merveilleux tout ça. Et vous êtes dans quelle région en métropole ? Donc moi, je suis à Paris et en Belgique, à Bruxelles. D'accord, et ça se passe comment ? On va dire c'est aussi intensif qu'ici, le phénomène Ben, c'est aussi intensif. C'est vrai que la culture urbaine, c'est quelque chose qui s'exprime avec le cœur. Donc je pense que tous les passionnés de toute la planète, de cette communauté, vivent la danse à 100%, quel que soit le pays. On est tous logés à la même enseigne, comme on dit. Tout à fait, phénomène montant, on va dire, mondialement parlant, hein, au niveau du breakdance. Bien sûr, au départ, c'est qu'il y avait beaucoup de préjugés dans la danse hip-hop. On pensait que c'était qu'une danse de quartier, etc. Et voilà, danse de rue. Et aujourd'hui, on est là un peu partout. Les gens voient que c'est un vrai travail, que c'est une vraie passion et que c'est quelque chose qui est extrêmement positif dans la vie des jeunes aujourd'hui. Heureusement, on va dire qu'il y a des gens qui sont là pour encadrer un petit peu tout ça et mettre en avant tout ce qu'il y a de bon, on va dire, au niveau de la danse. Bien sûr, donc on les remercie. Puis on encourage aussi tous les jeunes à toujours remercier leurs professeurs et tous les gens qui organisent ce genre d'événement pour nous réunir. Et vous avez votre style à vous, sinon vous regardez un petit peu ce qu'il fait sur l'extérieur. Bien sûr, ben moi je suis inspirée aussi du style réunionnais, parce qu'il y a aussi un style ici à La Réunion. Ben moi je danse debout et puis je vais donner le micro aux champions du breakdance, donc de la danse au sol. Très bien, alors ça se passe comment, on va dire, l'accueil et aussi l'événementiel pour toi ? Est-ce que tout est bien calé ? Tout est bien, nickel, comme d'habitude, de toute façon, l'accueil à La Réunion. Puis je pense que c'est un beau lieu ici, à côté de la plage, tout ça. Puis on a beaucoup de, comme a dit Malika, on a beaucoup de participants et c'est bien de voir que c'est vraiment en train de monter à La Réunion depuis quelques années. Puis voilà, on espère que ça va continuer comme ça et qu'on continuera à venir partager un petit peu notre savoir avec tout le monde. Tout à fait, vous habitez dans le même secteur ? Moi, je suis du sud de la France, à Toulouse. Ok, et le style est comment là-bas ? Il y a beaucoup de danseurs et c'est vrai qu'un peu partout, on retrouve des styles différents. Bah, à Toulouse, voilà, il y a une certaine écriture, il y a un certain style, mais qui se rapproche aussi du style français de manière générale. Passion Tuning vous a été offert par ODR et D2S Car Audio.